Hey, salut à tous, c'est le Picsou, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Fortnite. Donc je suis ici pour vous présenter une petite vidéo pour vous expliquer comment faire en fait, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, j'ai mis Epic Games nous offre le pass de combat saison 4. Donc en fait c'est vrai, il nous l'offre, mais à condition d'avoir pris le pass de saison 3. Donc ce que je vais faire, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe. Comment fonctionne un petit peu le jeu, car comme vous pouvez le constater, c'est un jeu gratuit, contrairement à d'autres jeux comme Call of et GTA. Donc je vais partir sur Call of, c'est un jeu à 70 € avec 50 € de DLC, et on peut se permettre de tout avoir, que ce soit personnages, armes, contenu supplémentaire, tout. Et pour GTA, donc GTA ça reste quand même le must, il n'y a pas de DLC et tous les contenus sont gratuits. Donc je dis tous les contenus, c'est depuis plusieurs années que le jeu est sorti. À chaque fois ils nous ont mis des événements et des nouveaux véhicules, tout le temps gratuit. Malheureusement c'est pas le cas chez Epic Games. Epic Games, il nous faut un jeu gratuit mais avec des bonhommes à 20 balles ou des danses à 10 €. Donc j'ai envie de dire, ils se font pas trop chier non plus quand même. Mais au final, si on doit acheter toutes les danses, tous les bonhommes, c'est à coût de 500 balles le jeu quoi. Donc ça, je trouve ça un peu con. Mais quand même, on va dire, dans toutes leurs fautes, on va dire dans tous les trucs, les points négatifs que j'ai pu constater sur Fortnite, il y a un point positif, c'est donc le fameux pass de combat. Donc je vous explique, c'est un pass de combat qui est à 10 €, dont 1000 V-Bucks. Et en fait, donc si vous l'achetez, vous pouvez gagner jusqu'à 1500 V-Bucks. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez en fait gagner 500 V-Bucks supplémentaires en plus de votre achat. Donc à vous de l'utiliser à votre guise. Si vous les utilisez pour une danse ou un perso, mais pour un perso ça va faire un peu rush, parce que la plupart des persos sont en moyenne commencent à 10 €. Après il y en a qui sont un peu moins chers, mais ils sont très rares, c'est des persos assez dégueulasses, j'ai envie de dire, sachant qu'on n'est pas trop varié dans les personnages. Donc du coup, ce que je vais vous proposer, c'est d'investir 10 € dans le pass de combat 3 et monter les paliers. Et en montant les paliers, du coup vous allez pouvoir gagner des V-Bucks et vous débloquer donc le pass de saison 4 qui est dans 40 jours. Donc vous me direz, oui c'est 40 jours, on n'aura pas assez pour passer les paliers, c'est un petit peu compliqué. Donc certes c'est vrai, mais si on compare par exemple un pack à 25 € où on a déjà 25 paliers de débloquer, ça fait quand même énormément d'argent. Moi ce que je vais faire, ce que je vais vous expliquer, donc ce que je vais faire directement, je vais aller dans l'accueil pour vraiment vous montrer mon astuce, montrer comment le jeu, comment Epic Games ont réfléchi pour que tout le monde puisse quand même jouer avec un minimum d'argent et un petit peu de contenu. Donc du coup, nous revoilà dans le salon. Donc regardez, moi actuellement je suis palier niveau 63 et niveau 70. Et comme je vous disais, en fait, le gros avantage qu'il y a, c'est que si vous prenez le pass de combat maintenant, en fait, quand vous passez des niveaux, vous gagnez des étoiles. Et en fait, ces étoiles gagnées sont déjà acquises pour vos paliers. Ça fait que quand vous allez acheter le pass, ça va vous débloquer en fait tous les paliers factices que vous avez passé pour rien. En fait, ça va vous offrir directement tout ce qu'il y a dans le pass de combat. Donc en plus, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir bonus de la prochaine, du prochain saison de combat 4. Donc vous aurez 5 paliers de combat offerts. Donc ça aussi, c'est très important. C'est un énorme avantage. Plus des un livre avec plusieurs défis qui vous fera gagner, je crois, je dis pas de bêtises, 50 étoiles. Donc c'est quand même, c'est un peu comme des défis de la semaine, c'est très important. Voilà, c'est vrai que si vous venez bout à bout, vous allez pouvoir remonter les paliers. Alors regardez, là, on gagne 100 V-Bucks tous les 7 paliers, plus des fois, en fait, il nous en offre 100 supplémentaires pour le pass de combat que je n'avais pas eu auparavant. Donc ça fait exactement comme si vous le prenez. En fait, ça va vous offrir automatiquement les paliers et les V-Bucks, parce que vous avez déjà votre niveau actuel. Et forcément, toutes les étoiles que vous avez gagnées auparavant, ils vont vous les rattraper, vous les remettre à jour sur le palier. Ça fait que, exemple, moi je suis niveau 70, palier 63, j'ai déjà débloqué 1000 V-Bucks. C'est que si même vous prenez le pass maintenant, vous n'allez pas être palier 1. Vous allez être le palier actuel et vous allez pouvoir débloquer tous les V-Bucks qu'il y a à débloquer. Ça fait que si vous investissez 10 €, vous allez automatiquement récupérer vos 10 € maintenant si vous avez déjà joué à ce jeu et que vous jouez quotidiennement. Donc voilà, c'est quand même très important. C'est pareil. Voilà, et je trouve que Epic Games réfléchit comme ça et c'est pas plus mal, parce qu'au final on peut cumuler jusqu'au niveau 100 1500 V-Bucks et on peut s'acheter un personnage pas trop cher ou une danse. Voilà, ça peut l'un ou l'autre, l'un dans l'autre. Après on peut se permettre de se faire un petit plaisir, pas un gros plaisir parce que les personnages restent quand même relativement chers,
Mais c'est vrai qu'en investissant dans un pass de combat, on peut se permettre après d'enchaîner les nouveaux passes de combat des nouvelles saisons gratuitement si on cumule en fait les V-Bucks qu'ils nous proposent à gagner pendant les 100 paliers. Donc c'est vrai que c'est intéressant, en plus on peut gagner jusqu'à 3-4 personnages, certaines dents, certaines émotes, voilà, mis bout à bout, on va dire ça fait un pack comme un bousquet pas cher au final. Donc voilà, il faut quand même, je trouve, c'est pas négligeable d'en profiter. Du coup moi, en plus de la vidéo, ce que je vais faire, je vais vous proposer un petit concours où je vous ferai gagner du coup deux passes de combat saison 4. Donc je vais mettre deux lots à 10€. En fait je vais faire un tirage au sort où il y aura deux gagnants. Donc pour le jeu, il vous faudra vous abonner à la chaîne et donc laisser un commentaire en disant je participe. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vraiment cette vidéo vous aura plu. Ça me ferait super plaisir parce que je suis nouveau youtubeur. Je connais un peu le système, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire énormément de vidéos. Et c'est vrai qu'avec toutes ces personnes qui polluent YouTube, qui font des vidéos glitch, freeze, V-Bug, tout ça, et au final c'était que du fake en fait. Les gens ils font juste ça pour vous faire venir voir votre vidéo et vous faire croire qu'ils vous feront gagner des trucs et tout ça. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que moi c'est différent. Je suis là pour vous présenter une vidéo et en plus dedans je vous rajoute un jeu. Et ça par contre je le mettrai dans le titre, dans la miniature, ça sera déjà mis. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 20€, donc 2 x 10€ en jeu, il y aura deux gagnants. Je ferai le tirage quand j'aurai atteint, on va dire, les 250 abonnés, parce que je suis actuellement à 160 et quelques abonnés. Donc on va dire il me faudrait 90 abonnés et c'est bon, le jeu pourra commencer à être lancé. Et à partir de là, donc je ferai gagner deux lots de 10€. Donc on verra selon comment vous préférez, PayPal, PlayStation Network ou pour Xbox ou pour PC, ça peu importe. Après on verra en message privé et on s'arrangera, je vous enverrai la somme via votre compte, est-ce que vous préférez, ou une adresse de domicile. Du coup voilà, ça sera un petit jeu que je ferai quand j'aurai atteint les 250 abonnés. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas, il faudra vous abonner, laisser un like et dans un commentaire en disant je participe. Et quand j'aurai atteint les 250 abonnés, je ferai le tirage et je vous montrerai les deux gagnants du tirage pour vous montrer que c'est pas du fake. Et si je vois que ce petit jeu vous aura plu, j'essaierai de faire, on va dire, pour commencer, un petit jeu par mois. Voilà, dans une vidéo, je mettrai un titre où je vous ai, voilà, il y aura un message en disant que dans cette vidéo, je propose un petit jeu où on peut gagner quelque chose en liaison avec le jeu ou la vidéo. Du coup, voilà, donc je pense qu'on aura fait le tour pour cette vidéo. Je pense que les 250 abonnés, je vous fais confiance, on peut le faire. Je sais que vous êtes des gens sérieux, vous n'êtes pas naïfs. Voilà, vous êtes comment, vous êtes tous les jours sur le réseau, tous les jours sur YouTube, vous voyez un peu les plateformes, comment ça se tourne, comment les gens y parlent, les gens qui vous promettent de l'or, du miracle, et qu'au final, ils cherchent juste la notoriété, pas plus loin. Moi, comme je dis, je suis vraiment là pour vous faire plaisir. Ça fait plus de 13 ans que je suis sur le réseau, voilà. Je pense que j'ai un petit intérêt à vous présenter, à vous donner des astuces. Je fais vraiment ça pour le plaisir, pas pour avoir de la gloire, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, j'espère que voilà, vous abonnerez, que vous me ferez confiance et qu'on pourra continuer dans cette fameuse aventure. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker du coup. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, à la prochaine.